Bienvenue dans ce nouveau live consacré ce nouveau direct maintenant, et je vais dire direct parce que il y en a qui préfèrent direct. Mais j'ai mis live sur ça c'était déjà fait à l'avance. Je mets soit live ou direct, mais je vais essayer de mettre un peu plus direct. Modélisation de la halle de Pouilly-sur-Serre. Normalement c'est Pouilly-sur-Serre, mais j'ai pas. En fait, on est limité à un nombre de caractères dans le titre. Du coup j'ai mis juste Pouilly pour aligner le lent guise que je reproduis sur Train Simulator. TS, c'est Train Simulator classique. Voilà. J'espère que vous allez bien depuis. Alors, j'ai déjà commencé cette halle hier. J'ai fait au moins 1 h 30 dessus. Ouais. Dans ces eaux-là. Et donc, là, je vais déjà vous montrer où j'en suis. J'ai déjà fait les marches. Là, j'ai déjà fait le toit, mais il n'y a pas ces éléments-là. Hein. Après, il y aura du relief à faire un peu. Il y aura les fenêtres, il y aura les portes. Bon, il n'y aura pas l'escalier, c'est sûr. Il y aura le bâtiment ici à côté. Il y aura les textures à travailler, etc. J'ai déjà trouvé des textures à la va-vite, hein, des briques blanches à l'intérieur de la halle. Enfin, des briques peintes en blanche à l'intérieur. Et des briques rouges à texture que j'ai trouvées quelque part. Et aussi, je remarque que j'ai gagné un abonné. Si je dis pas de bêtises, j'avais 167 abonnés et j'ai 168. Ça fait plaisir, merci à vous. Et je vois que ça. Il y a de plus en plus de personnes, ça fait plaisir. Petite nouvelle aussi, il y a la CC 72 000 qui est sortie. Et là, j'ai une cabine que je reproduis, vous avez dû le voir dans l'introduction. Ma cabine, elle a avancé hein, depuis 2 mois. Il y a 2 mois, il n'y avait presque rien. Et donc bientôt, là, je vais essayer de faire un trépied pour pouvoir filmer comment je conduis en cabine. Et peut-être que dans ce mois-là, ou le mois prochain, ou dans l'année, je vais essayer de faire des lives conduites en cabine. Et je peux vous le dire qu'hier, quand j'ai conduit avec un vrai cerclo, des freins directs, enfin les robinets de freins que j'ai acquittés et tout, c'était super. Et ma cabine, elle prend de plus en plus forme, ça fait plaisir. Bon allez, là je vous laisse sur l'image pour l'instant, sur la photo je veux dire, il faut que je vous montre ce que je fais sur SketchUp là. Et voilà, les petites nouvelles que j'ai déjà dans ce live là. Alors, capture d'écran. Ok, là normalement on va voir. Alors je fais ça, ça, et voilà. Alors j'en suis à là. J'en suis à là de la halle. Ouais, j'ai travaillé... En fait hier... je l'ai pas fait en live, j'aurais pu, hein, mais je l'ai pas fait. Mais après, je sais pas, je préférais le faire déjà un peu à l'avance parce que, d'une, j'étais motivé à le faire, mais surtout que avant les lives création 3D n'intéressaient personne. Il y avait peut-être une ou deux, c'est tout, qui venaient, mais ça s'est terminé là. Là, je vais pouvoir voir si ça intéresse encore. Et parce que je vois que ça intéresse plus la création de lignes que la création de bâtiments en 3D ou pas d'objets en 3D. Là, voici ce côté-là. Alors là, c'est les bonnes dimensions pour la porte, normalement. Faut que je vérifie, j'avais fait des schémas. Et là, il y a cette porte-là à revoir, mais niveau hauteur, ça a l'air d'être pareil. Après, faut que je revoie ça. Et du coup, j'ai fait le quai, mais ça, je vais pas mettre en brique. Je vais mettre en béton, qui est moderne quand même. Alors, faut que je revoie la hauteur du quai. Hein. Aussi, là c'est des verrières que je mettrai là. Il y aura la texture au-dessus. Je vais pas faire planche par planche. Je vais mettre une texture. Là, il y aura une poutre en fer à mettre des textures là, en blanc. Vous voyez, c'est déjà sympa. Hein. Puis là, on a l'escalier comme en réel ici. D'ailleurs, je me demande si je ferais bien cette marche-là en mieux. Je sais pas. Voilà, et là donc il y aura les portes à faire, les poutres de soutènement, je sais pas comment on dit ça. Il y aura la texture du quai aussi. Le quai, bon la largeur, j'ai les mesures, mais il faut que je les retrouve. J'ai aussi les mesures de la largeur de la porte ici et de celle d'en face. Et de souvenir, ça faisait 3 mètres quelque chose. Attendez, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça dans mon truc de mesure. Hop, j'actualise le live au cas où si je vois un message dans le chat. Non, il n'y a personne. Alors, ok.
C'est où? Alors là. Ah, un mètre... Alors là, c'est 1,5 m le quai. 1,5 m il fait. Alors je vais voir si ça fait bien 1,5 m. 1,50 m. Ouais, non, c'est pas 1,50 m là. Il fait bien 1,5 m. Ah non, là j'étais de travers. Attendez, je regardais pas l'écran. Regardez que en bas la longueur. 1,5 m. Je me suis trompé hier. Hier, j'ai pas vérifié la bonne mesure. Ok. Bon, on va faire ça du coup. Voilà. Là, on est à la bonne. Là, on a la bonne. Comment dire? Enfin, la bonne largeur du quai. Après, la longueur, ça, j'ai pas vérifié en réel. Je vais aller voir les portes maintenant. Alors, les portes, j'ai mesuré combien? Ah, sur mon application où je fais des mesures, il y a toujours des pubs. Alors 3,78 m. Il y a 3,78 m de large de là à là. Alors on va aller voir ça. Il est trop bas. Alors là, j'ai 3,80 m. Bah là, il y a juste environ. C'est environ en bas. Donc là, je vais mettre. Je vais déplacer de 0,03. On a combien là? Ouais, allez, hein, c'est bon. Tac. Et là-haut, juste comme ça, que ce soit la même. Alors là, je suis à 3,80 m. Mais je trouve ça trop. On va décaler d'un centimètre là. De là. Ce que ça donne. Voilà. Tac. Tac. Comme quoi les mesures, ça sert à beaucoup. Ah, voilà, c'est parfait, hein, nickel. La hauteur du quai, là, c'est compliqué. Hein. Je sais pas, est-ce que vous connaissez la hauteur du quai d'une halle? Non, je pense pas, mais. En vrai, j'ai mis 1 mètre, je crois. On verra bien, il faudrait que j'aille sur place et mesurer la hauteur. Ignorer, 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 je m'en fous de ça. Pour moi, ça fait 1,5 m, peut-être, ou 1 m. Ah, je sais pas. Ah, aussi, pour être réaliste, il y a un truc que j'ai oublié là. Excusez-moi, je suis enrhumé. Là, il manque les marches sur le côté. Donc, je vais les rajouter. Et après, j'irai chercher des textures aussi avant. Je vous ai pas montré. J'ai des photos de la halle. Mais je ne vais pas montrer l'intérieur pour. J'ai pas trop envie enfin, de montrer ça en live, du coup je le fais pas. Mais sinon j'ai des photos aussi de l'intérieur. L'extérieur je peux. Parce que vous pouvez voir ça sur Google Maps, mais en moins bien. Alors j'ai les photos. Je vais quand même vérifier que j'en ai pas mis de l'intérieur. Non. Non, non, c'est bon. Alors, j'ai cette photo-là avec la pancarte. Là, on voit le P, le Pouilly-sur-Serre, on le voit bien. Enfin, on le voit, mais il est en mauvais état. Là, j'ai le toit qui est en très mauvais état, ici. Vous voyez, le bois est pourri, en fait. Hein. Là, vous voyez, il faudra faire ces trucs-là, là, qui soutiennent le toit. Là, vous voyez, on a la poutre à trouver une texture ici, là. Alors ça, c'est, il paraît que c'est pas les portes d'origine. Et puis ça a été creusé ça. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à un truc. Voilà, c'est cette porte. Donc là, je peux faire une texture là. Il y a moyen. Juste à tac tac sur Paint. Je peux faire une texture là. Ce sera la même chose. Allez, j'y pense. Ah, j'ai pris quand même des photos, hein, faut dire. Ah là, il y a une poutre aussi, d'accord. Ah bah c'est là. Ça doit être la même. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et là, pareil, les portes, je pourrais faire des textures moi-même. Alors je sais pas ce que c'est au-dessus. Ah, c'est un lampadaire.
Et là, même la texture du toit, là, les toits, je pense que il y a moyen de le faire sans du photomontage. Et même les. Enfin, non, les portes. Non, je vais pas mettre de portes. Ça, c'est les portes, c'est ce qu'on met sur TS. Alors, faut que je fasse des tests, mais normalement, on peut augmenter, rétrécir la largeur d'une porte sur TS. Mais après, à voir. Hein. Faut que je fasse des tests avec un prototype. Faut que je fasse ça, ouais. Et alors. Ta 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 ta. Alors dans le modèle, c'est tout ce qu'on met comme texture. Voilà. Donc là j'ai mis que deux textures, vous voyez. Alors là je vais faire les marches en premier. Je vais voir combien. Non, c'est 1,5 m que j'ai mis là-haut. Donc là je vais mettre pareil. Ou 1 m, 1 m 50, c'est pas grave. Ou quoi que 1 m c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, 1 m. Je vais faire des marches. Et du coup, cette halle-là, je vais la modifier en live, je la referai, je vais la refaire. Parce qu'à Guise, il y a la même halle marchandise. Celle de Aulnois, elle est déjà faite, et on peut aller aussi à l'intérieur. Donc, et c'est pas moi qui l'a faite, c'est du hard, hein, et c'est une halle qui est, enfin, c'est la même 3D. Mais, ah, par contre, je remarque qu'il y a un problème là. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Ah. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux? Ah si c'est bon. C'était bizarre parce que le trait était pas droit. Je fais des grandes marches. Hein. Ah là c'est pareil. Hein. Pourquoi ça me fait ça? Voilà, là c'est mieux, non? Ça fait des marches de combien là? De hauteur. 0,25, ça fait quand même pas mal, hein. On va faire un plus petit, on va faire des petites marches quand même. Ah, finesse. Hop. 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 Et d'ailleurs, j'enlèverai la texture après. Hein. D'ailleurs, je peux faire ça pour un côté esthétique. Ah, non, on peut pas. Ah, c'est déjà un côté brique derrière. D'accord. Alors, là, maintenant, je vais faire ça. Si ça le veut. Pourquoi ça veut pas. Ça veut pas dans l'autre sens. Bon, je vais supprimer ça. Et là, est-ce que ça veut maintenant? Oui, ça veut, mais c'est bizarre. Je comprends pas, là, il y a un problème avec les traits, je le sens. Ah, je vois qu'il y a du monde, je vais actualiser le chat parce que là, je vois pas de message actuellement dans le chat. Non, là, au son, il n'y a personne qui commente là, ok. Je sais pas de combien je vais se passer. Combien j'ai fait là, de l'autre côté? Que ce soit un truc assez. Là, c'est des grandes marches, hein, comme en réel, il y en a 4. Je pourrais mettre 1,20 m ou 1,50 m. 1,30 m, allez. 1,30 m. Ouais, 1,30 m, ce serait pas mal. Donc, je vais espacer ça. Je vais hop, faire ça, cliquer là. Et là, 1,30 m. Après, je vais faire un copier-coller, hein. Je vais pas m'embêter à reproduire la même chose de l'autre côté. Hein. Les copier-coller, ça sauve la vie. Hein. Enfin, ça simplifie la vie, qu'est-ce que je dis? Voilà, là on a une marge déjà. Là, du coup, je vais mettre 1,20 m. 1,20 m, si possible. Oh, punaise. Bon, on va faire comme ça, on va cliquer, on va faire moins 1,20 m. Ah non, lui il comprend l'inverse. Bon, tant pis, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre 1,20 espace mètre. Yes. Là, on va mettre 1,10 mètre. Voilà. Là, on va mettre 1 mètre. Voilà. Là, on va mettre 0,90 m. Voilà. Là, on va mettre
0,80 mètres. Là, on va mettre 0,78 mètres, excusez-moi. Voilà. Et là, on va mettre. Ah, ouais, que ça fait trop. Je sais pas comment dire, mais ça fait trop éloigné. Je me suis trompé sur. Comment je pourrais faire? J'ai une idée. On va faire ça. Je vais corriger ça. Donc là, je vais mettre moins 10. Parade ici. Moins 10. Parfait. Hop. Mais quoi que moins 10, ça fait des petites marches quand même. Hein. Je sais pas, notre pied, il fait combien de centimètres? Un pied fait combien? En longueur. Est-ce que vous connaissez la longueur d'un pied là? Je suis embêté. Ah, je prends mon pied à coulisse. Je vais essayer de mesurer, on va dire, mon pied. Ah. Ah, ça fait peut-être, on va dire, à grand maximum, peut-être 25 de long. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que là, ça fait quand même des marches de 10? C'est pas énorme. Donc, je vais augmenter ça. Ça me plaît pas encore. Je connais pas les marches, moi. On va faire du coup moins 10. Voilà, ça ira mieux. Enfin, peut-être plus réaliste quand même. Ou alors 0,15, mais là tu marches au milieu du pied et il est à l'extérieur. Alors moins 15. D'ailleurs, ça change des lives création ligne. Faites-le moi savoir si vous aimez bien ce genre de live. Parce que ça, des fois, j'aime bien aussi changer un peu. Alors moins 15. Et de toute façon, c'est ce que j'allais faire là sans être en live. Parce que là, d'ailleurs, il y a le créateur de la ligne Reims qui travaille sur sa ligne. Pour information. Du coup, je peux rien faire sur ma ligne. Enfin, sur mes lignes, quand lui travaille dessus, moi, je peux rien faire. Faut que j'attende qu'il a terminé pour que je puisse. Ah, pourquoi j'ai mis moins 15 là? Je suis un abruti, moi. Attendez, je sais plus. Oh, pire, moins 15. Hein. Moins 15, ça pourrait encore aller, mais. Jusque-là, en parlant, je fais pas attention. Oh. On va mettre moins 20 celui-là. Allez, hop, on est large. On va mettre 5, allez, c'est pas grave. Tac, voilà. Et là, lui, on va le laisser à moins 20. Ouais, ça va encore. Alors, là, c'est bon, ça c'est fait. Je vais supprimer ce trait-là. Et je vais faire un copier-coller. Tac, 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 non, tac. Ah! Non, mais je suis pas doué là ce matin. Je resélectionne chaque face en faisant CTRL, clic gauche sur chaque face. Faut pas cliquer sur les arêtes. Les traits, je veux dire. Ah, il me manque un trait. Mince. Et maintenant, je vais mettre l'escalier extérieur. Ouais, je m'embête pas, hein, je fais juste ça. Là, il va falloir le sélectionner ici au coin. Hop. Je vais aller dans le coin ici. Là. Là, je vais tracer un trait. Là. Là. Là, je fais effacer. Et là, on a notre escalier. Et là, je vais faire. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, voilà. Tac, et hop, voilà. Hop, effacer, et voilà. Tac, 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 tac. Bon, en attendant, je mets des briques, hein, rouge, mais ça va changer, ce sera du béton. Et puis là, il faudra faire aussi les bordures. Mais je en fait, je Là, je pense que le quai il est trop éloigné, donc je vais le rapprocher. Ah, mais j'ai un schéma. J'ai un schéma que j'ai fait en photo. Où en fait, je vois, j'ai mesuré en réel. J'ai eu l'autorisation d'y aller dedans.
J'ai, par contre, les autres halles, la halle de Guy, c'est mort parce que c'est une entreprise. Après, il y a la halle de... Faudrait que j'aille voir si je peux, la halle de... De la Ferté-Chevresy. Non, pas de la Ferté-Chevresy. J'aimerais bien refaire aussi l'intérieur. Comment dire, c'est... Je sais plus quelle halle. C'est... Ah, Focouzi. La toute petite halle. Après, si c'est la même chose à l'intérieur... Bon, je demande. Ah ben non, ça sert à rien de faire l'intérieur. Non, c'est l'extérieur, oui, parce qu'en réfléchissant, il y a rien qui fait... Il y a rien en fret, en fait, aujourd'hui. Il y a peut-être la sucrerie qui est intéressante, mais encore... je sais pas si elle est encore active. D'avant, il y avait une usine de phosphate. Il y a des carrières. Ah, Fukuzi. J'ai fait des live recherches dessus, hein, c'est pour ça que je m'y connais un peu. Ah! Là, j'ai des photos de l'intérieur et j'ai même fait des photos de la verrière carrément. Ces verrières-là, là. Et le toit me paraît très très bien. Ouais, j'ai bien. Là, vraiment, au niveau mesure, je pense que je suis vraiment pas mal. Ouais, je suis pas mal du tout, là, en mesure. Je pense que j'ai bien fait. Hein. Alors là, du mur. Du mur de là à là. J'ai même un truc qui va pas parce que là, bizarrement, j'ai. Ah, je suis embêté là. Il y a un truc qui va pas qui me gêne. Ah non, bah si, c'est bon. C'est juste qu'il y a un effet d'optique, peut-être. Ici, le mur, il est un peu plus proche que ça. Ouais, il est aussi proche que ça, donc là je vais corriger ça. Voilà. Et je vais aller à l'intérieur. Et là je vais regarder s'il y a bien 3 mètres. J'ai mis 3 mètres 30. En fait, il y a des gens, ils connaissaient un peu la halle à l'époque, ils l'ont connue avec le quai à l'intérieur. Et moi, on m'avait dit 3 mètres 80. Sauf que 3 mètres 80, ça me paraît un peu trop haut. Là, je préfère mettre 1m50. Alors, je verrai bien sur TS, hein. Mais 1m50, pour moi, 3m50 me paraît plus réaliste quand même. Parce que quand ils m'ont dit 3m80, ça fait presque 4 mètres, c'est quand même énorme. On verra bien, mais je préfère mettre ça. Et on verra bien. Sinon, il faut réexporter le bâtiment en lui-même. Après, peut-être qu'ils avaient pas, ils avaient pas, ils avaient pas tort, mais bon. On va voir ce que ça donne si j'avance ça encore. Là, il reste 3m50. Ça fait bizarre. Ah, je pense qu'ils ont raison en fait. Ah, mais non, c'est. Mais là, j'ai mis 2m50, je suis bête. Mais non, c'est 3m50. Qu'est-ce que je fais là? Oh là 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 là. Ah, c'est le matin. C'est le matin. Ça se comprend. Je suis peut-être pas encore réveillé à 100%. Hop. Ah ouais, là c'est mieux là. 3m50, mais. Ouais, si. Ça va encore. Bon, ça c'est fait. Ah bah oui. Ouais, ça je m'en doutais à ça. Quand on utilise cet outil-là, derrière, ça creuse en même temps. Du coup, là, il va falloir refaire ça, ça et ça. Voilà. Là, c'est parfait. Ça, c'est fait. Alors là, ensuite, je pourrais mettre quand même texture devant, là, sauf sur les marches. Voilà. Ça, c'est fait. Là, je peux supprimer les traits. Voilà. Nickel. Ça c'est fait. Alors maintenant, je fais quoi? Je fais quoi là? Est-ce que vous connaissez la hauteur maxi d'un train de fret? Je suis en train de me poser cette question. Je pense que 3,43 m, c'est quand même pas mal. Hein.
Après, je connais pas les wagons bâchés, par exemple. Ça fait combien? Est-ce qu'on peut savoir la hauteur? Est-ce que vous connaissez dans le chat à peu près la hauteur d'un wagon? Du rail jusqu'au haut du wagon? Est-ce qu'on peut avoir des cotes sur Internet? Je suis un peu. Là, je me pose des questions. Est-ce que c'est pas assez? Peut-être qu'il faudrait 4 mètres de haut? Je sais pas. Bon, en tout cas, en attendant, je vais faire un copier-coller de ça. Je vais faire un trait sur le côté comme là-haut pour voir. Alors là, c'était 0,29. 0,29 de souvenir. À 0,27. Alors pourquoi j'ai mis 0,27 et de souvenir, c'est 0,29 ici. Là, c'est 0,31. Il n'y a rien qui va. Bon, on va mettre 0,30. Hein. On va mettre 0,30. Alors, je vais là-haut. On va mettre un petit trait. Ah, la molette, hein. Ça, c'est la vie sur TS. Là, je fais la molette depuis tout à l'heure hein, pour me déplacer comme ça. Alors là, on va mettre 0. 30. Ah, là, j'ai pas bien copié-collé ça. On va recopier ça. Voilà. Alors, finalement, hier, il n'y a pas eu de live sur ma ligne. Excusez-moi. Il n'y a pas eu de live sur la chaîne, la chaîne Twitch de Kyrian. Normalement, il y en avait un, mais. Pour TS, mais finalement ça n'a pas eu lieu. J'ai menti un peu hier. Je vais aller voir sur des photos que j'ai, car il y a un truc qui va pas là. Là, il y a un truc qui va pas là. Là, ça me. Là, je viens de regarder un truc là. Là, je viens de regarder un truc et je peux vous dire que la porte elle est plus haut que prévu. Ici, de ce côté-là. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ah oui, je me suis fait avoir. Si vous allez voir sur Google Maps là, vous pouvez voir de cette face-là. En fait, là, ça monte. Il y a un... Ça fait comme une rampe, mais légère. Et à l'époque, ils avaient refait les portes, ce côté-là. Donc là, je vais devoir voir la hauteur. Enfin, la hauteur carrément de ça. Je vais le mettre à là. Voilà. Et là, je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais y arriver. Je pense que je vais mettre à la même hauteur. Ouais. Je vais voir si je mets à la même hauteur. Ça va faire quoi? On va faire ça en live. Parce que là, en vrai, c'est pour moi plus réaliste comme ça. Non, vous en pensez quoi? Ça fait vraiment. Bah là, on est sûr d'avoir quelque chose de. Parce que là, en réel, la poutre qui est là, elle passe au-dessus de ce toit-là. Là, on est quand même à 4,38 m hein, de haut. Un wagon passe large. Et un wagon qui est très haut. Normalement, c'est bon. Alors, aussi, bah, là, je peux en profiter. Je vais faire ça en même temps. Là, j'aimerais bien faire la bordure du quai. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. On va essayer de faire une petite bordure. Ça fera un côté sympa. Alors, je vais faire quoi? En largeur, on va faire 0,20. Eh, pas environ, arrête de mettre en rive. Ah! Environ en bas, vous voyez, il arrête pas de me mettre environ 0,19. Je sais pas ce qu'il a avec ça. Voilà. 0,20. Et on va jusque là-haut. S'il vous plaît. Voilà. Là, pareil, on va faire une petite bordure. Ici, on va mettre 0,20. Voilà. Tac. Mais pourquoi le trait, il apparaît? Oh, il y a un truc qui va pas là. Cette face-là, elle est un peu bizarre là. Bon, je vais laisser ça comme ça en attendant. Mais j'ai un truc, je pige pas là. J'ai l'impression qu'en fait, le mur ici, là, il est pas droit sur SketchUp. Du coup, c'est pour ça que ça fait des traits assez épais. Et quand ça fait des traits assez épais, c'est pas bon signe.
Voilà. N'hésitez pas à parler dans le chat, hein. N'ayez pas peur. Voilà. Et là, si je fais carrément ça, 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 que je fais ça, ça, je dépasse de 0,2. Que là, je dépasse de 0,2 aussi. Devant 0,3, pourrait mettre même. Voilà. Tac. La hauteur de 0,1. Voilà pour dire qu'il y a une bordure. Parce que. Ou même 0,1 encore. Parce que je pense qu'elle faisait une bordure un peu comme ça. Et ça fait plus. Pour moi, ça fait plus quai de faire ça. De mettre une bordure, ça fait vraiment quai, je trouve. Et. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah. Je vais essayer de faire un truc. 0,2. Voilà. Et là, on va pouvoir faire la bordure de ce côté-là. Jusque-là, si ça marche. Ah, et là, vous voyez, ah non, si c'est bon, mais il y a quand même un problème avec. Ouais, c'est bien. C'est bien, mais ici, ça va pas. Il faut remettre 0. Donc là, les 0,2. Ok, donc je vais mettre après. Voilà, 0,20 comme ça. Voilà. Là, il y aura des barrières d'ailleurs à mettre. Hein, parce que sinon. C'est dangereux pour les employés. Et dire que là, sur Train Simulator, la halle, elle va servir. Hein. Mais pourquoi ça fait ça? Voilà. Là, je stream, là, je fais tac, 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 tac. Voilà, pour corriger bon, le petit défaut. Voilà, hop. Et heureusement qu'on a une molette sur la souris. Hein, parce que là, faut pas que la molette soit HS, sinon fini SketchUp. Hein. La molette, c'est ce qu'il y a de. Le plus important sur ce logiciel, c'est le clic gauche et la molette. Je fais que ça. Le clavier en lui-même, j'utilise presque jamais. À part pour mettre la distance en bas. C'est tout. Eh, ça commence à être sympa cette histoire. Hein. Ça commence. J'aime bien là. Vous voyez là, là, ça fait vraiment quai. Hein. C'est ça que j'aime bien. Avec les escaliers ici et là. Alors, j'ai pas de photo de l'époque. Hein. Il y en a même pas. J'ai même ici, j'ai une photo d'une halle, mais ça c'est vert. Si sur l'artère nord-est, c'est la halle de je sais plus quoi. Et ça, du coup, je laisse passer. Je laisse passer. Je vais modifier la hauteur du pas de la porte en face là. Je vais le mettre à la même hauteur que ça. Donc là, je vais faire ça. Je vais mettre un trait pour faire un repère. Là. La modification, hop, et là je vais faire un copier-coller de ça. Je vais le mettre ici, j'aimerais bien le mettre à la bonne hauteur. Hop, on va faire un tri comme ça. Voilà, et là je vais prendre ma face qui est sélectionnée, hop, ici, et là je vais faire un trait. Comment je préfère. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je regarde de combien j'ai mis la profondeur là. Alors, c'est du 0,04. Et de l'autre côté aussi, je pense. Ah, on va faire 0,04. Voilà. Et il y aura la même chose à faire de l'autre côté. Ou alors, sinon, je fais ça. Effacer. Effacer. Là, je refais une face. En fait, ça évite de refaire les mesures derrière, vous voyez? Là. Ça évite de les refaire. Donc, voilà pourquoi. Ouais, si c'est bien comme ça. Donc là, je vais refaire les faces. Comme ça. Vous voyez, c'est déjà creusé derrière. On a juste à faire ça. Et je maîtrise quand même le logiciel, faut dire. Il y en a, ils se disent, ouais, t'as quand même de la maîtrise, c'est normal. Hein.
Ça fait quand même, ça fait quand même déjà pas mal de temps que j'utilise ce logiciel. Je sais quand même l'utiliser sans problème. Parce que j'ai fait quand même la guerre de l'an pour info. La guerre de l'an qui est pas terminée. Je fais le pont de veau, je fais pas mal de 3D. Hein. La création de ligne, c'est. Si vous voulez avoir une ligne réaliste, il faut être un peu doué aussi en 3D d'un côté. Après, sinon, si vous n'êtes pas obligé, hein. Là par exemple, vous installez ma ligne en bêta, par exemple. Vous voulez avoir mes assets. Ah oui, mes assets, je peux les passer si vous voulez. Hein. S'il y en a qui veulent mes assets pour leur ligne, je veux bien. Hein. Même là, une fois que j'ai fini la halle, si vous la voulez, sans problème, je peux vous la passer. Hein. Là, quand je vois l'intérieur de la halle, j'ai un peu de travail quand même. Il y a un peu de 3D à faire. Mais ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Normalement. Si je fais une halle sympa. Alors là, on va mettre 0,04. Ça va être bientôt la fin du live d'ailleurs. Je tiens à le signaler parce que là, il y a déjà cette heure-là. Il y aura peut-être la suite cet après-midi. On verra bien. On verra bien. Ah là, le mur, il s'est barré là. Ici. Alors, faut essayer de remettre le mur. Voilà. Si je fais ça, là, si je fais ça, que là, j'efface ces faces-là, ces faces-là, là. Ah, il y a un truc qui va pas là. Attendez. Ah, si. Mais c'est bizarre. Il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me gêne là. Là, il y a un petit décalage. C'est bizarre. Hein. On va essayer de corriger ça. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez. Il y a un truc qui va pas là. Il n'y a rien qui est droit. Et là, je. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, j'ai une petite correction à faire, visiblement. Ah non. Non, c'était bien avant. Juste que j'ai mal tracé ça. On va tracer sur la face directement. Voilà. Des fois, il y a des problèmes de trait sur ce logiciel. C'est énervant. Et ça n'a jamais été corrigé, ce genre de problème. Voilà. Et là, je vais faire ça, ça. Ça. Je vais actualiser le chat parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais ça me gêne de voir le chat. Ouais. S'il y a des gens qui regardent actuellement. Ok, là maintenant je vais supprimer ces faces-là. Tac, tac, tac. Voilà. Là. Tac, tac. Tac. Là, je vais corriger ça en faisant tac. Ah. Ouais, pas de décalage, ok. Alors là. Ah. On est jeudi aujourd'hui. Alors demain, vendredi, il y aura le live de Simtrain sur ma ligne Languille d'ailleurs. Il y aura normalement aussi France Simu qui fera un live dessus. Enfin non, lui il fera sur. Ils feront tous les deux, je crois, sur l'arrière-son, mais pas encore sur la Languille, je pense. Après, s'ils font sur les deux, bah, nos problèmes, hein, je leur ai dit, ça me gêne pas. Hein. Moi, d'un côté, c'est bien parce que bon, ça me fait quand même de la pub, honnêtement. Et bah, montrer mon travail en live et en vidéo après, c'est pas mal. Hein. J'ai hâte d'avoir des nouveaux youtubeurs, streamers qui font des streams sur ma ligne. Il y en a, hein. Il y a Kerian TV, il y a Deluxe Transport, il y en a. Hein. Il y a Simtrain qui le fait de temps en temps, ça arrive. Kerian d'ailleurs, il roule souvent sur ma ligne. Kerian TV. Ça fait plaisir parce que ça intéresse cette ligne-là, elle intéresse alors que de base avant il aimait pas trop la voie unique de campagne et tout et il dit que grâce à ma ligne
il a le goût de cette ligne-là. Enfin, il aime bien rouler sur ce genre de ligne, quoi. Mais là, il y a vraiment un problème avec mes faces, là. Là, j'ai l'impression que le mur en lui-même n'est pas droit. Ou alors, je rêve, mais c'est un peu bizarre, là. Alors, c'est peut-être le trait, celui-là, qui gêne. Je vais... Ouais, je comprends pas, là. Là, j'ai dû faire un truc qui ne va pas. Alors là, j'ai réussi à corriger. Si j'efface le trick, ça disparaît. Alors, c'est bon. Ah là, ça y est, ça a l'air d'être corrigé. Normalement, je peux faire ça sans problème. Ouais. Là, je peux supprimer les traits, normalement. Voilà. Là aussi. Là. Là. Mince. Des fois, il y a des traits qu'il faut pas supprimer, sinon ça creuse derrière. Ah là, là, il y a une double face. J'efface ça. Voilà, je vais corriger ça aussi. Je vais corriger ça aussi parce que ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce souk? Alors, si je vais à la milieu de la... Si je vais au milieu à peu près de la poutre et que je fais ça. Ok. Si je remets un trait au-dessus. Un trait visiblement qui n'est pas bien placé. Ouais, voilà. Il y a vraiment un... Ah, il y a un décalage, là. Oui, il y a un décalage. Oui. Là, il y a un truc qui va pas, là. Je vais enlever tout ça. Là, il y avait un truc qui ne va pas, là. Et c'est très fin, hein. Je sais pas si vous l'avez vu le trait, mais... Voilà, là, on est droit. Salut, Emilien, je l'avais bienvenue. Comment vas-tu? Alors là... Tac. Ah, là il y a un truc qui va pas là. Je suis embêté que c'est foutu trait. Ah non, j'ai juste à refaire un au-dessus. Là. Normalement c'est bon. Là 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 là. C'est. Vous connaissez le mot galère? Voilà. Là, vous avez une preuve que devant moi, c'est pas facile. C'est bug de du logiciel SketchUp. Il y a des bugs qui n'ont jamais été corrigés. Hein. Pourtant, là, vous voyez, j'ai le nouveau logo du logiciel. J'ai quand même la nouvelle version. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là 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 là. Ça va me faire... Comme dit Jordan, il y a un écran qui va voler chez moi là. Je sens que je vais. Il y a un écran qui va voler là. Alors là, je vais essayer de faire ça. J'essaie de corriger ce bug. Bien, bien, et toi, je vais manger à la prochaine. Ok, bah. Bon app, hein. À la prochaine. Bah, d'habitude, je fais un live en plein après-midi. Là, je dis tiens, je fais un petit live le matin, chill. Ah, là, on est mieux là. Ah, c'est mieux. D'accord. Là, il n'y a plus de bug là. Enfin, peut-être que je parle trop vite, mais. Alors là, il va falloir faire un truc. Je vais vous montrer. Pour que ce soit à la bonne dimension, je vais faire un truc. Une technique que je fais souvent, donc là je vais carrément aller chercher ma face au fond et essayer d'aller de loin. Là je reste appuyé au fond et je vais glisser le trait jusque là et normalement là on a bonne dimension comme l'autre côté. Sauf que ça a disparu. Ah, oh, punaise. Même là, ça je l'enlève. Ça va bien. J'ai encore un foutu bug quelque part là. Et si je fais enregistrer, il va peut-être me corriger quelque chose.
Non, même pas. Ah, SketchUp. SketchUp, SketchUp, SketchUp. Qu'est-ce qu'il faut que des fois tu... De temps en temps, hein. Alors là, je trace un trait, je vais mettre 3,50 m comme j'ai dit. Non. J'avais mis quoi déjà? Je sais plus. Ah, il y a encore une queue. Trois mètres 28. Attends, tu... Non, c'est pas la porte, ça. Oh, il y a une pub, ça m'énerve. Mais je m'en fous, moi. Il veut pas que je regarde son schéma carrément. Oh punaise. Là, j'utilisais une application pour mesurer. Et là, maintenant, il me demande de carrément de payer. Mais qu'est-ce que j'en ai? Il a remis une pub. Bon, on va y être patienté. Je regarde. J'essaie de trouver le schéma. Oh non, il veut pas. Hein. Oh, je sais pas. Ah, il veut même plus maintenant. Il y en a carrément, il veut que je paye le logiciel, quoi. Comme si j'avais. Bon, je vais arrêter de regarder ça. Ok, c'est bon. On arrête pas là. J'arrête pas la 3D, mais j'arrête de regarder ce logiciel qui. Il dit alors c'est gratuit. Il te dit c'est gratuit. Tu télécharges l'application. Et après, carrément, ils te disent au bout d'un moment, bah paye. Ils se foutent de moi là, le logiciel là. Vous connaissez ce logiciel là? Je fais une mauvaise pub pour eux, mais bon. Ça s'appelle Cam to Plant. Enfin, to Plain. Ah. Merci à eux, hein. Ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie là. Application. Ouais, il y a des trucs qui vont pas. Regardez, il y a des trucs pas droits là. Il n'y a rien qui va. Comment voulez-vous que. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi ce que j'ai. Ce que je fais là. Je fais n'importe quoi. Hier, je n'avais pas ces problèmes-là. Hein. Et là, depuis ce matin, j'ai que des bugs. Ah, en ce moment. Ça fonctionne que quand ça veut hein, aussi. Ok, alors là c'est dans la face, ok. Là il y a un décalage là. Ah non, c'est bon. Voilà, là-dessus c'est bon. Ok, tac. Voilà. Voilà, pour l'instant c'est corrigé. Je comprenais pourquoi, là je comprends pourquoi tout à l'heure ça n'allait pas. Là, il faudra revoir les mesures. J'avais mis 0,30. Bon, 0,31. Oh, c'est pas grave, hein, 1 cm en trop. Voilà. Hop. Là, ça c'est bon. Maintenant, faut pas que ça recommence. Donc là, il y avait 0,04. Je trace un trait. Je vais jusque là-haut. Voilà. Tac. Tac, tac. Là, je vais faire 0,004. Non, 0,04. Voilà. Là, je vais faire ça. Nickel! Bah, enfin! Enfin, eh. C'était pas évident, comme on a pu voir, mais là, ça y est, il n'y a plus de bug. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Yes, là, c'est bon, visiblement, il n'y a plus d'erreur de trait. Alors, aujourd'hui, là, quand je vois les photos, je vais vous dire ça. En fait, ça fait pas vraiment des briques blanches à 100%, mais de base, c'était le cas à l'époque.
Moi, là, j'ai mis des briques vraiment peintes à 100% et c'est bizarre. Et normalement, quand je regarde le fond de la halle en réel, j'ai même pris une vidéo hein, pour vous dire, j'avais même pas. J'avais pris carrément. J'y suis retourné il n'y a pas si longtemps. Faut que j'aille voir si j'ai encore les photos de l'intérieur. C'était récent. Hein. Alors, ça date du combien déjà? C'était il y a un moment peut-être. Ah. Alors j'ai pris une photo. Ok, défense de fumée. J'ai même fait la texture intérieure. Et au fond. Au fond, en fait, ici, là. Ça fait vraiment de la brique écaillée. Blanche et rouge. Les murs sont encore blancs, mais ce côté-là, ici, là. Juste là. Ça fait très. Brique rouge et blanche à la fois. Et là, il y a la défense de fumée à l'intérieur que je vais introduire. Je vais essayer de l'introduire là. Je vais faire en sorte de le faire. Alors, je vais essayer de le faire là, mais veuillez patienter un peu. Ou alors, je le ferai hors live. Bon, allez, je le ferai hors live. Mais là, je vais. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? On a quand même refait la taille des portes, le quai, modifié les marches. On a fait quoi d'autre dans ce live-là? Là, après, faudra faire les portes devant. Revoir peut-être la longueur du quai, mais ça m'a l'air pas mal. Et puis après, voilà. Ah non, là, il y a un petit truc qu'on n'a pas fait là. Et puis hop, inverser texture, les faces, je veux dire. Donc là, il y a 0, 4 et 0. Ah. Ah oui, c'est vrai. Il y a combien de là à là? 0, 24. 0,24, 0,24, 0,24. Donc là, il y a 30. Là, il y a 0,4, 0,04. Voilà. Et là, je fais pour un petit côté esthétique. Voilà. C'est un côté esthétique, j'aime bien. Je laisse ça comme ça en attendant. S'il y a des gens qui la connaissent, bah. Il existe un concert hein, sur YouTube, j'ai mis Halle de Pouilly, vous pouvez. Hein. Et vraiment, vous tombez sur un concert de quelqu'un qui a enregistré ça dans la halle. Et c'est sympa. Ce trait-là, je sais pas si j'ai bien fait de le supprimer. Et là, c'est normal, là, il y aura des verrières. Hein. C'est pour ça que c'est trouvé dans le toit, mais c'est à la bonne dimension. Ah voilà, nickel. Là, il est 54. Je pense que je vais arrêter là. Est-ce que j'ai le temps de trouver une texture pour le toit ou pour l'intérieur? Je sais pas. Bah voilà. Ça, c'est fait. Là, je vais faire une petite modif. Ouais, c'est une épaisseur de combien? 0,30. 0,30. Enfin, 0,29. Moi, on va mettre 0. Environ 0,30. Tac.
Ok. Hop, hop. What? Il y a un bug là. Inverser les faces. Puis là, je vais dépasser un peu, c'est pas grave, mais il faut. Mettre 0,30. Tac. Hop, 0,30, tac. Tac, 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 voilà. Hop. Hop. Hop, hop, et hop. Voilà. Ok, c'est parfait. Nickel, nickel, nickel. Ah, là, il y a la bordure aussi à faire. Bon, allez, j'ai le temps de faire ça. Hop, j'ai actualisé le chat parce que je sais pas s'il y a des nouveaux messages. Non. Alors, je vais voir. Ah, bah non, j'ai des photos directement ici. Alors, ah, je vais voir la bordure si je la trouve. Ah, voilà, là, on est de vue. Voilà pourquoi ça commence à être dangereux de marcher sur le quai d'en face. Et c'est pour ça qu'il y a un projet, il paraît, j'ai entendu, de mettre ici une butte de terre devant pour. Comme ça, les gens ne sont plus, ne descendront plus. Ça sera ici une butte. On verra plus le quai ici. Et là, pourquoi? Parce que vous voyez que ça se démonte et que ici, c'est des planches en bois. Ça aurait pas été du bois, ça aurait été une bordure en pierre. Il n'y aurait pas eu de souci encore. Mais là, tout là, ça commence à se retirer, les vis, elles ont sauté. Et puis là, le bois, il pourrit beaucoup ici, là. Il y a un petit problème aussi, c'est qu'il y a des fuites aussi dans le toit. Donc des fois, je pense que ça doit. Puis c'est l'air est humide, hein, ça pourrit, ça s'oxyde. Et donc là, ça commence à être un réel problème. Là, je vous laisse profiter de cette halle avec encore le quai. Hein. Ça sera une archive, ce live-là, en même temps. D'ailleurs, je ferai pas les gouttières, hein. Je vais pas m'embêter à faire ça. Mais je vais faire carrément ici les poutres, une par une, en 3D. Mais je vais faire du copier-coller, hein. Ça c'est sûr. Je vais m'amuser à faire les. Alors, je vais peut-être pas faire les arrondis. Hein. Ce sera des traits droits sur SketchUp, là, les poutres à l'intérieur. Je vais voir. Et là, je mettrai des. Je sais pas si je remettrai la même chose qu'en réel, mais avec du bois neuf et tout, je sais pas. Parce qu'en fait, là, je refais une réouverture en étant moderne. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de faire. Là, il doit y avoir 0,25. Et là. 0,25 et après, c'est. Ouais. 0,25. Ok. Ah mince, qu'est-ce que je fais? Là, il doit y avoir 0,25. Je vais vous laisser, hein, de toute façon, il est l'heure que j'arrête. Donc c'est à peu près là. Je sais plus, on va aller voir ça. Ah, c'est au niveau du bâtiment là, ok. Ok, donc à peu près là. On peut tracer un trait. Ouais, ok, je suis un peu décalé. Ça s'arrête vraiment à ras du truc. Ouais.
Ouais. Donc là, je vais faire un trait comme ça. Ah. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Inverser les faces. Et là, il y a la bordure de 0,25 qui normalement... Bah, c'est 0,25. Ça fait un peu trop là. On va mettre 0,20. Ouais, ça fera peut-être mieux. Et là, l'après, c'était du 0,15. Hein. À peu près. Les poutres en métallique là tout le long. Je les mets jusque là-haut. Ah là, c'est approximatif. Hein. Après, tant que c'est réaliste. Hein. On s'en fout que ce soit pas vraiment en centimètres près. Tant que ça ressemble beaucoup. Comme la gare de Marle. Hein. La gare de Marle, j'ai fait tout. J'ai fait tout visuellement, j'essaie de. J'ai pas été sur place prendre un mètre, j'ai tout fait de tête. Je me suis dit, là, il doit y avoir ça, là, il doit y avoir ça, etc. Et du coup, voilà. Alors là, je vais mettre la bordure de. On va dépasser de. Allez, 0. 0,4. Là, on va mettre 0. 0,2. Oh, ça dépasse un peu plus, hein. 0,4, ouais. On va mettre, ah, on va mettre pareil. Ah, punaise. Donc là, c'est 0,4. Je reviens. Attendez. Parce que j'ai les cloches qui sonnent à mort à côté, là. Attends, il est midi. Du coup, je voulais pas que vous entendiez les cloches en répétition. Alors, le problème c'est que c'est décalé. Et ça me paraît même plus fin. Hein. Là, ça me paraît trop épais cette poutre. Je vais mettre 12. Hein. Il me paraît plus cohérent de mettre 12. Peut-être une épaisseur de 0, enfin une hauteur de 0,12, cette cale. Ouais, là c'est peut-être pas mal. Hein. Et puis 0,12 au-dessus aussi. Là, il y a 0, 0, 0,20. Là, on va mettre 0,20 aussi. Hop, jusque-là. Là, il y aura 0,12. C'est encore à vérifier, hein. Mais je pense que je ferai peut-être les marches, enfin la suite du quai en live, peut-être. C'est sympa de le faire. Et là, on va mettre une épaisseur de 0,2. Me paraît assez. Ouais, c'est pas mal. Et quand je regarde la photo. Alors là, je vais mettre 0,1. Ouais. Voilà, là c'est pas mal là. Et je me demande d'ailleurs si la bordure continue jusqu'aux marches. Non, mais... Ah ouais, ok. Bah là ça m'a l'air pas mal, ouais. C'est pas mal. Pour un début, là on est... Ça commence à être sympa cette histoire. Hein. Je le dis souvent, mais... Ah là c'est... Je commence à connaître bien la halle là. Quand je vois ça, là on a vraiment, on sait que c'est la halle de Pouilly hein, ou la halle de Guise hein, ou la halle de, je sais pas, il doit y avoir peut-être la même dans la, parce que c'est quand même une halle de la Compagnie du Chemin de Fer du Nord hein, et qui a été, elle a été touchée un peu pendant la guerre il paraît, mais pas tellement détruite. Ils ont dû refaire le toit à cette époque-là, une partie, mais voilà. Normalement, c'est la même halle d'origine que cette halle-là. Cette halle, elle date de 1800. Elle a été faite en 88, 1888. Alors, du coup, cette halle-là, elle doit durer. Enfin, elle doit être âgée de. Ouais, quand même, pas mal d'années. Mais je pense que c'était fait en 1887. Hein. Ça a dû être fait un an avant, peut-être. Après, on n'a pas la date exacte, mais moi, je pense à ça.
Bon bah voilà, je vous laisse. J'ai fait 5 minutes en plus. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire une petite sauvegarde. Ctrl S, voilà. Hop, je vous laisse. À la prochaine, ciao. Faut que je fasse ça avant. Comme à chaque fois, voilà. Ça ira mieux. Moi, je vais encore dire salut. Et d'ailleurs, merci pour les 168 abonnés. Je vais voir s'il n'y en a pas eu un nouveau. Non. Ok. Et merci à Emilien dans le chat pour la participation. Hop. Voilà. Là, ça ira mieux. Comme ça, je pourrais vous mettre l'intro de fin. Ok, nickel. Hop. Allez. Cette fois-ci, à la prochaine. Ciao. Au revoir tout le monde.